la chancelière, messieurs les chefs d'État de gouvernement, chers chefs d'entreprise, c'est avec beaucoup de bonheur que je participe à ce présent forum qui est d'un grand intérêt pour mon pays. Et je ne vais pas rater cette occasion pour parler du Bénin, pour vous dire quels sont les potentiels de ce petit pays d'Afrique de l'Ouest qui compte beaucoup sur les entreprises allemandes pour son développement. Madame, vous me donnerez les 3 minutes nécessaires pour vous parler du Bénin. Je vais essayer d'être rapide. Et comme vous le savez, je l'espère, le Bénin est un pays d'Afrique de l'Ouest, membre de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, qui est une zone monétaire liée à l'euro, de plus de 90 millions de consommateurs et voisin du Nigeria, qui est, comme tout le monde sait, le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest. Le Bénin partage avec ce grand pays 700 km de frontières, faisant de lui une porte d'entrée sur ce marché de plus de 180 millions de consommateurs. Le Bénin connaît depuis 1990 une expérience démocratique marquée par une stabilité politique remarquable, avec des alternances apaisées au sommet de l'État. Mon ambition en accédant à sa gouvernance est de faire de ce succès démocratique une rampe de développement socio-économique. Et pour conforter ses atouts, mon gouvernement a depuis bientôt 3 ans mis en œuvre des réformes majeures qui concourent à faire du Bénin l'un des espaces les plus favorables à l'investissement privé étranger. Il s'agit notamment de l'assainissement du cadre macroéconomique de la gouvernance, permettant désormais au Bénin de disposer d'un cadre macro les plus stables avec l'appui du FMI. De l'amélioration de l'environnement général des affaires, consistant entre autres à la simplification et à la rationalisation du cadre global des investissements privés. De la réforme du marché du travail, du renforcement du secteur énergétique et de la sécurisation de la propriété foncière. De manière concrète, nos actions ont permis de moderniser, de dématérialiser, de simplifier l'ensemble des formalités administratives, fiscales et douanières. Une loi nouvelle sur les conditions d'embauche dérégule désormais au Bénin le recrutement et simplifie la rupture du contrat de travail. Aujourd'hui, les entreprises ont la possibilité de recruter sur contrat de travail à durée déterminée, renouvelable, quasi indéfiniment. Le montant des indemnités à payer en cas de licenciement au Bénin est désormais plafonné à 9 mois de salaire, quel que soit le motif du licenciement. Nous venons également de mettre en vigueur une réforme du droit de la grève qui limite la durée totale de grève au Bénin à 2 jours maximum par mois et à 10 jours maximum par année. Ces mesures, difficiles sur le plan social, sont indispensables pour l'investissement privé. Convaincu que la disponibilité d'une main-d'œuvre locale bien formée et à un coût compétitif est un élément important de compétitivité, nous avons lancé une réforme complète de notre système éducatif afin de rendre disponible à court terme une main-d'œuvre qualifiée nécessaire. C'est bientôt fini. Et disposer de l'énergie de qualité à un coût raisonnable est une condition préalable à la mise en œuvre de toute politique de transformation structurelle de l'économie. À cet effet, notre programme de renforcement de capacité énergétique nous permettra d'atteindre à très court terme l'autonomie énergétique dont nous avons besoin. Mesdames et messieurs, pour finir, la mise en œuvre satisfaisante de ces réformes témoigne à juste titre de notre volonté de notre engagement à coopérer avec le secteur privé en général et les partenaires allemands en particulier. Je vous invite donc à explorer les nombreuses opportunités qui se dégagent actuellement au Bénin, aussi bien dans les secteurs de l'agriculture, du tourisme, des infrastructures et bien d'autres. C'est déjà beaucoup et nous comptons sur vous pour voir les Allemands, les entreprises allemandes venir investir au Bénin. Ce sera comme chez eux. Merci.